Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans l'épisode 117 de The Witcher 3 avec une mablette buggée. La mablette de l'amour. Est-ce que mablette elle peut faire des sauts de ouf? Genre elle passe les barrières, genre comme ça. Non, c'est bon, attends, c'est craqué. Attends. Je suis sûr, je peux faire craquer la mablette. Je suis sûr qu'on peut faire craquer psychologiquement la mablette et lui faire faire n'importe quoi. Une seconde, on la place. Hop là, le petit cas. Waouh, les vrais mouvements, mablette. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus que des cristaux magiques. Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être cherchez-vous à me berner, comme les autres. Les autres? Voyez-vous, la rumeur a couru que j'offrais une généreuse récompense à quiconque m'apporterait des informations sur Elhart. Et je me suis vite retrouvé assiégé d'imbéciles, avides de mon or. Classique. Le premier était un chasseur. Il m'a présenté une chouette morte et nuclée. Il pensait que je le couvrirais d'or, mais je l'ai fait jeter par-dessus bord avec une pierre attachée au cou. Le second était le maître du relais d'Oxenfurt, porteur d'une lettre soi-disant écrite de la main d'Elhart. Elle était fausse, bien sûr. J'ai fait couper ses doigts. Il n'écrira plus jamais. Oh, et sa langue aussi, pour qu'il ne puisse plus proférer de mensonges. Étrangement, personne d'autre n'est venu m'importuner depuis. Les vraies méthodes. Moi, je dis rien, hein. Et puis le mec, il s'est fait couper la langue et il s'est fait couper les doigts, mais il peut toujours faire du tambour, hein. Il peut toujours faire du tam-tam. C'est-à-dire, il a un grand avenir dans les claquettes. Sauf que lui mettre les claquettes aux jambes, il les met au bras. Il fait des numéros de claquettes comme ça. Tout ça finira dans le bordel à Jaskier, bien évidemment. Mais sinon, moi, j'ai des vraies news. Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides. La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du Temple. Pourquoi ne pas me l'avoir amenée? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de voler cette bague comme preuve. Vous la craignez? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même, de vos propres mains. Vous allez m'accompagner. Hubert, rassemblez les hommes. Oh, il mord ! Combien, Majesté ? Tous. Tous. Parfait. Excellent. On va pouvoir faire un grand mouvement et un grand ménage, un grand nettoyage à sec. Et après, tout le monde y va finir au fond du lac. Voilà. Et ils sont morts. Fin. Et les poissons sont bien nourris. Voilà. Ce serait formidable. Alors, où est-elle ? Où est Philippa ? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Je ne veux pas d'importuns ni de témoins gênants. Damian, Jouk, Egbert, Frick, Kaspar, restez ici, montez la garde. Et tuez le sorceleur. Hey ! Vous ne savez pas où trouver Philippa. Pas exactement. Sans moi, vous. Ne vous inquiétez pas. Nous nous débrouillerons très bien sans vous. Votre aide nous serait bien utile, mais vous m'irritez. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent au travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. Bon. Une dernière parole. Merde. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. Merci. Juste à temps. Bon, c'est une épée un peu pourrie, mais elle fera parfaitement l'affaire.
Messieurs, bonjour. Et d'un. Oh là là là, bien tenté. Mais insuffisant et de deux. Merci, Vernon Bro. Mouvement de sorceleur incroyable. Et voilà. Ça va? Oui, merci pour le coup de main. Juste à temps. Le plan est parti en vrille. On va devoir improviser. Viens, Gérald. On doit s'occuper de Radovid avant l'arrivée des renforts. Le plan est parti en vrille? Tu rigoles? C'est parfait. Au fait, Sin, je retire tout ce que j'ai dit. Magnifique tir d'arbalète. 20 sur 20. Absolument merveilleux. Je peux massacrer les soldats, c'est sacré bon. Putain, j'arrive pas à le toucher. Rendez-le-moi. Laissez-les-moi. Laissez-les-moi. Oulalalala! Des chasseurs de sorcières qui n'ont rien à faire dans le décor! Ouch, ouch, ouch! Hey! T'aimes le feu, salaud, et ben goûte celui-là! Ah putain! Hop là! Arrière! Ça touche! Prends des flèches! Je vais vous cacher! Par ici! Allez! On les sèche, on les sèche! Ah ouais, ouais, non, 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 non. Oh! 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 Il crame! Oulia! Et voilà! C'est fini, mon vieux! Ouvrez! Ouvrez cette porte! C'est un ordre! Il suffit de te demander. Ça, c'était pour régler nos comptes. Oh ! Et ça, c'était cadeau. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle? Où? Putain, mais comment? T'occupes, c'est de la magie, mon gars. Elle nous espionnait à l'entrepôt. Quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment? Mais ça change rien, il est mort. Radovid est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Putain, tu remontes dans mon estime. Oui, partons. Elle remonte dans mon estime à une vitesse, cette femme, c'est quand même formidable, hein. C'est quand même formidable. Régicide, victoire totale. Et Philippa qui est là, je suis désolé, la tentation était trop forte. Et là, t'as Geralt qui est là, still kill. Still kill, mon gars. Kill still, quoi, elle m'a piqué mon kill. Mais c'est brave, je le vis bien, je le vis bien. J'ai déjà tué un king. Elle a bien le droit d'en avoir un autre. Alors, parlez, c'est fait? Ouais. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord. Pour la Téméria. Ouais. À la Téméria. À la Téméria, bordel. Il est peut-être un peu trop tôt pour fêter victoire. Où est Dijkstra? Bon, à la Téméria. À la Téméria. Bon, et maintenant, Roche, tu vas reprendre le combat contre les escadrons noirs? Non. La guerre est terminée. Terminée? Vous m'avez caché quelque chose? On peut dire ça, oui. Tu comprends. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre
signera une trêve au nom d'Émir. Une trêve négociée par Dijkstra et votre serviteur. Oh, la bonne surprise! Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls? Oui, je revenais de la dernière session de pourparlers. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Téméria. Téméria libre! Il deviendra de fait un vassal de l'Empire. Ah, Téméria non libre! Un vassal autonome. Téméria libre! Avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Téméria semi-libre! Les lys argentés fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Bon, Téméria, trois quarts libre! Ouais! Pays de Galles indépendant! Bon bah, écoute, trois quarts libre! Propre armée, propre blason, propre... C'est plus presque une alliance, enfin je... Bon bah... Sinon par contre, dites-moi tout, parce que là, moi je prends pas parti les enfants, hein. Enfin si, je prends votre parti, donc osez me dire, je vais pas vous buter sur le spot, tout va bien. Vous ne m'avez pas dit toute la vérité. C'est vrai, oui. Bon, on sait que t'es allergique à la politique, alors on en est resté au mage et à tout ce bordel. Ça se tient. Si une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout ici-bas. C'était quoi ça? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle. Mais sans succès, hélas. Geralt, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le Nord, Téméria incluse. Quoi? C'est pas du tout ce qui était prévu. Oulalalala. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à Émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître, je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé? Comment ça? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Geralt, tout ceci ne te concerne plus, tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. La Redania unifiée, ou Téméria Téméria semi-indépendante! Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous. La trahison! Trahison! Mort à la Redania! Téméria libre! Téméria semi-indépendante! Téméria semi-indépendante! Et ils sont nombreux! Arrière! Tourbillon incroyable et formidable de la mort! Muerte! Tu comptes me faire languir longtemps? Il voulait jouer à la grosse bite, c'est moi qui ai gagné! Dijkstra, c'est fini! Mais tu mourras dans la miséricorde! Voix des Philippins nus! Aïe 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 aïe! Oh! Il a fini par perdre la main. Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a sûrement ordonné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé, ce sera sans moi. Je... Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir à Vizima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, loup blanc. On est quitte. Mais ça fait plaisir, quelque part. Ça fait plaisir. Venom Bro, libre. Et c'est la victoire.